Hey mes Phoenixou, ici le Phoenix. Aujourd'hui, retour sur le tome 2 de One Piece, épisode A. Comme d'habitude, on va regarder la jaquette. Hein. Jaquette qui est plutôt belle, puisqu'on a qui? On a du Ace, on a du... Goldie Roger, on a du Nami, on a du Khalifa, bref, petite jaquette qui est franchement cool. Hein. Bon, quatrième de couverture, pas grand chose, on a juste le résumé des familles. On a par contre une page couleur en style un peu poster. On a ici, on a tout simplement, voilà, on a Ace, Barbe Blanche, Luffy, Goldie Roger, donc c'est plutôt pas mal. Et derrière, on a un autre poster où on a tout simplement l'univers, enfin le combat de Nami contre Khalifa. Et voilà, donc voilà à peu près de ce que je pouvais vous montrer en termes de bonus et en termes de jaquette. Et on va passer directement un peu à la review de ce petit tome. Alors qu'est-ce qui s'est passé au niveau de ce petit homme là? Et ben grosso modo un événement un simple hein, puisqu'on va retrouver notamment Ace qui s'était fait choper par les membres d'équipage de Barbe Blanche. Là on va voir Ace, il va se réveiller un peu et puis il va tout simplement être confronté à Natch qui est le commandant de la 4ème flotte de Barbe Blanche. Et puis il va lui dire bon qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu fais, est-ce que tu vas arrêter là et partir? Puis comme d'habitude, Ace, il est un peu tête, il fonce directement dans le tas. Hein. Il a dit non, moi, je ne m'arrêterai pas tant que je n'aurai pas vaincu Barbe Blanche. Et puis, il va essayer plusieurs fois d'aller battre Barbe Blanche dans son sommeil. Et à chaque fois, il va se faire rétamer. Jusqu'au jour où Nash, il va le voir qu'à chaque fois qu'il force, il force. Ça va un peu lui montrer un peu le respect. Il va, et puis Nash, il va tout simplement lui proposer... De le former hein, pour qu'il maîtrise un peu mieux son nouveau fruit de démon qu'il a acquis. Hein, et puis là, t'as Ace qui va accepter. Et puis il va être un peu accepté par les différents fils de Barbe Blanche, hein, comme d'habitude. Et puis il va faire des petites missions pour l'équipage de Barbe Blanche. En attendant, évidemment, il utilise et il essaye de tuer de temps en temps Barbe Blanche. Mais Barbe Blanche, il l'envoie valdinguer. Jusqu'au jour où, ça y est, il se sent officiellement prêt. Et puis il demande à Barbe Blanche un petit duel. Barbe Blanche, il dit, il n'y a pas de problème. Il se rend sur une île déserte. Ils vont s'affronter et le combat entre Barbe Blanche et lui, il est tout simplement exceptionnel. Hein. Ça part très loin jusqu'au moment où t'as Barbe Blanche qui va lui asséner un gros coup de poing, qui va mettre KO littéralement Ace. Et puis Ace va accepter sa défaite et puis va dire, c'est bon, je m'avoue vaincu. En fait, tout simplement, Ace, il cherchait un père, hein, puisque lui, il a quand même vécu sans père. Hein. Je vous rappelle que son père, c'est tout simplement Goldie Roger, qui est parti très tôt pour lui. Et lui, il cherchait juste un père de substitution. Et il l'a trouvé, dans l'intermédiaire de Barbe Blanche. Et du coup, il a prêté allégeance à Barbe Blanche. Hein, et il a décidé de se faire tatouer son drapeau sur son dos et de rentrer dans son équipage. Donc voilà à peu près le destin et l'histoire de Ace qui se termine plutôt bien. Donc clairement, ce petit homme-là, il s'était plutôt cool, plutôt assez intéressant de voir One Piece dessiné surtout par un autre mangaka qui est Boichi, qui quand même dessine plutôt bien. Alors est-ce que ce manga est-il obligatoire ou pas pour les fans de One Piece hein? Clairement pas hein. Bon, clairement c'est un petit bonus hein, puisque tous les faits sur Ace nous est raconté dans la trame principale. Et ça, franchement, tu n'apprends rien d'exceptionnellement nouveau. Bon, à part comment il a chopé et acquis son fruit du démon. Mais hormis ça, tout ce qui nous est raconté là, ça nous a déjà été dit dans la trame principale. Donc c'est pour ça que ce manga là n'est pas indispensable hein. C'est pour ceux franchement qui kiffent un peu l'univers et qui veulent en apprendre un peu plus. Bon, après je sais qu'il y a le c'est tiré du light novel et que ce manga là ne va pas dans les détails du
du light novel même, puisqu'il y a des personnages qui sont dans le light novel et qui n'apparaissent pas dans ce manga là. Donc tout simplement, ceux qui veulent en apprendre un peu plus, et ben je vous confère d'aller plutôt lire le light novel qui est un peu plus détaillé sur ce point là. Mais en tout cas, au niveau graphique, au niveau de l'histoire, c'était vachement cool, c'était vachement plaisant. Autre point également, c'est que à la fin du manga, on a un petit manga, une petite partie bonus, hein, comme dans le tome 1 où on avait un peu le remake du combat de Miwok contre Zoro, et ben là on a le remake du combat de Nami contre Khalifa, hein, dans Water 7. Et comme d'habitude, c'est dessiné par Boshi, bon, donc forcément il y aura évidemment des planches avec un poil de sensualité, hein, on va dire ça comme ça. Comme d'habitude, c'était plutôt pas mal, plutôt quali. Franchement, le trait de Boshi est quand même assez cool. Donc voilà que je pouvais dire sur One Piece, tome 2, épisode A. Petit tome assez cool, assez sympa à lire, mais pas indispensable. Mais si vous êtes fan, pourquoi pas l'avoir dans votre petite collection. Voilà que je pouvais dire sur One Piece. N'hésitez pas à me laisser dans les commentaires votre avis. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes Phoenix.